Comme le printemps, pour se renouveler,
Notre vie a besoin d'être constamment nettoyée. Notre vie a besoin d'être émondée, taillée, émondée de tout ce qui l'empêche de croître et de fructifier. Toutes les choses inutiles qui parasitent notre vie et son épanouissement, son témoignage, doivent être enlevées. Ce n'est pas toujours un processus simple ni facile. On est bien plein de tout ce qu'on aime, de plein de tant de choses, et parfois de choses inutiles. Prenons l'exemple de nos maisons, nos cagibis, nos chambres, sont pleines de choses dont on n'a plus besoin, mais dont on n'a pas envie de se séparer. Et on les prend, on les dépose de côté ailleurs, on les prend d'un endroit, on va les déposer ailleurs, puis je m'en servirai un jour. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans passent, on n'a pas touché, on prend, on le dépose à un autre endroit, on va s'en servir un jour, un autre jour. Pourquoi ne pas s'en séparer? Ça peut servir à d'autres. Partageons. Encombrés comme nous le sommes, parfois, nous ne pouvons ni avoir le temps, ni la volonté d'aller à l'essentiel. L'essentiel, selon Jésus, c'est tout d'abord de rester attaché au cèpe. D'où coule la sève indispensable à notre vie. C'est ensuite accepter d'être débarrassé de tout ce qui nous encombre. Souvent, et ce qui nous encombre souvent, c'est notre moi. C'est notre moi. C'est accepter d'être débarrassé de tout ce qui nous encombre, même si cela peut être douloureux pour nous. L'essentiel pour Jésus, selon Jésus, c'est enfin porter du fruit. Et ne pas les garder pour soi, mais savoir aussi les partager. Partager, c'est partager le fruit de l'esprit. Nous sommes appelés à entrer dans la vigne et à accepter le vigneron qui est Jésus, le Christ. Nous sommes appelés à porter, grâce à lui et à son œuvre, l'œuvre de son esprit en nous, à porter du fruit, ce qui reste un défi. Un enjeu pour notre foi. Pour relever ce grand défi, osons nous saisir de ce que les jardiniers utilisent généralement pour couper, pour émonder. Osons nous saisir du sécateur que Jésus nous tend. Ce sécateur, c'est sa parole, c'est son esprit. Prenons le temps pour émonder, tailler, couper, émonder ce qui peut porter la vie, tailler, couper ce qui ne relève pas notre vie de la mort, tout ce qui, dans notre vie, ne nourrit pas l'amour. Sans cela, l'entreprise que nous essayons d'initier, toute entreprise, est appelé à ne pas produire de grands et de bons fruits. Et particulièrement aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés d'abord pour notre culte mensuel, ensuite pour notre assemblée générale consécutive de l'association qui va naître tout à l'heure. Nous sommes là à trouver une sage-femme pour la faire naître. Nous sommes dans la salle d'accouchement ici. Si nous ne risquons pas, nous ne prenons pas ce risque de cheminer avec Jésus, notre entreprise que nous finissons ce jour risque de ne pas tenir debout, de ne pas tenir debout. Et ce travail de nettoyage, chacun doit le faire dans sa vie d'abord. Car autant nous sommes nombreux, autant chacun et chacune représente un maillon fort ou faible de la chaîne que nous constituons. Et une seule personne peut faire chavirer tout, peut tout faire chavirer si chacun ne fait pas ce nettoyage dans sa vie. Une seule personne, une seule langue, un seul geste.
peut détruire toute cette abandonnée et détruire tout ce que nous avons à faire. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à émonder, à tailler tout ce qui ne porte pas vie, tout ce qui n'est pas positif, tout ce qui ne peut pas construire. Et c'est sa parole et son esprit qui peuvent nous aider à y arriver. Demandons au Christ Jésus de nous garder et de nous aider afin que tout ce qui se fait dans son nom porte des fruits dignes de son nom. Oui, nous prions avec cet auteur qui dit « Jésus est tout pour moi ». Dans ma faiblesse, Jésus soit ma force. Dans ma pauvreté, Jésus soit ma richesse. Dans ma solitude, Jésus soit mon compagnon. Dans mon égarement, soit mon berger. Dans mes erreurs, sois ma sagesse. Jésus-Christ, dans mon angoisse, sois mon espérance. Dans mon tiraillement, sois ma paix. Dans ma tristesse, sois ma consolation. Dans ma défaite, sois ma victoire. Dans mon humiliation, sois ma gloire. Jésus-Christ, dans mes ténèbres, sois ma lumière. Dans mon péché, sois mon pardon. Dans mon injustice, sois ma justification. Dans ma perdition, sois mon salut. Et quand arrivera le moment où tu m'appelleras, sois ma vie éternelle. Jésus, tu es tout pour moi, tu es tout pour nous. Que la gloire te revienne, toi qui t'es donné. Pour notre vie, notre Seigneur. Amen. Amen. Thank you.
Nous allons le marquer comme chaque année, cette date. On a marqué chaque année cette date-là, par le jour, par la prière, parce que particulièrement, il faut prier. On fait la fête, mais il faut particulièrement prier pour le Togo en cette occasion, vu ce que nous traversons depuis des décennies maintenant, et spécifiquement en ce moment particulier au Togo. La minière de Togo, je suis la minière de Togo, la Togo, la minière de Togo, la minière de Togo, la minière de Togo, un coup, il fallait dire quoi nous. Thank you.
où nous nous posons devant Dieu, où dans le silence nous posons notre pays de tombeau devant le Seigneur. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, et nous continuons notre rêve que nous avions engagé par la prière que nous avions eue, la soirée de prière que nous avions eue pour le Togo. Ne cessons pas de rêver pour un Togo paisible, un Togo qui nous accueille tous dans la joie, dans la paix et dans la fraternité. Un Togo où chacun trouvera sa place. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenons donc ferme. Seigneur notre Dieu, notre Père, il y a 58 ans. C'est également toi qui as porté avec tes enfants le Togo vers son indépendance. Et tout Togolais d'alors savait que c'était ton œuvre. Que ce soit notre hymne national, que ce soit la marche républicaine, le deuxième hymne qui deviendra la marche républicaine, les deux qui ont été mis en concurrence avant qu'on choisisse la terre de nos aïeux comme hymne, font référence à toi. Que de choses nous avons oubliées sur le chemin. Comme les enfants d'Israël, sur le chemin, nous avons oublié, et quand ça devient dur, nous sommes revenus vers toi. Et tu nous as prouvé dans ta parole que quand les enfants d'Israël revenaient à toi, tu allais à leur secours. Et depuis que nous t'évoquons, depuis que nous te faisons appel, on a l'impression qu'on ne te sent pas. C'est nous qui te sentons mal, peut-être, parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Et dans notre souffrance, il nous apparaît que tu n'es pas. Tu es Dieu de patience. Donne-nous d'avoir cette patience et de découvrir dans les petits détails ta présence au cœur de la vie de ta nation. Car tu nous l'as démontré une fois que tu es là. Merci pour ta patience à nous écouter, à nous entendre et à faire discrètement chemin avec nous. Tu ne hais aucun des êtres humains que tu as créés.
mais tu aimes le mal qu'il y a en l'homme. C'est pourquoi nous pouvons, avec confiance, te soumettre et confier aussi aujourd'hui ce qui dirige le trône, afin que ton esprit crée en eux une petite lumière, pour qu'ils aient un petit sentiment d'amour et de partage avec ce peuple qui a eu que trop souffert. Donne aussi d'apprendre à te faire confiance, à marcher avec toi, à nous tenir repentants devant toi de tout ce que nous avons pu faire pour te désobéir. Tu es Dieu de pardon, déverse ce pardon sur ton peuple. Aie pitié de nous. Et nous savons que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Que tu nous aimes tous, du dirigeant au plus simple des Togolais, tu nous aimes tous. Et que c'est le même amour que tu as mis dans notre cœur. Esprit Saint, éclaire les cœurs et estime le mal qui nous détruit. Le mal qui prend de l'ascension sur nous, sur chaque certain d'entre nous et sur nous tous. Fasse place à ce fleuve d'amour que tu as semé en nous. Fais-lui ta lumière qui éclairera afin que l'esprit du mal quitte notre territoire, afin que nous puissions nous retrouver, qu'on puisse entendre sur ce qui est essentiel. Et ce qui est bon pour ton peuple. Nous te louons et te confions tous ceux qui sont sur le champ, le terrain aujourd'hui, ceux qui reçoivent les balles, ceux qui sont tabassés, ceux qui souffrent psychologiquement. Et même les dirigeants, ils ne sont pas à l'aise dans tout ça. Ils n'ont pas la paix. Aide-les à retrouver la paix. Et c'est quand ils retrouveront la confiance et la paix en toi et en eux-mêmes qu'ils pourront, s'ils seront libérés, pour libérer ce peuple qui tient. Tu nous as confié ce pays à tous. Aide-nous à avoir chacun son territoire pour cultiver pour le bien de tous. Touche les cœurs. Que ce dialogue qui est bloqué, toi-même, tu sais comment faire, mais tu as toujours une solution. Béni sois-tu, toi qui nous écoutes maintenant, et qui écoute nos supplications, et qui écoute aussi notre action de grâce, parce qu'avant nous te remercions de ce que ce pays n'est pas devenu un désert. Et que l'esprit de guerre n'est pas prévalu sur l'esprit de la paix. Ça, c'est déjà pas rien. Tu as sauvé 1000 fois le taureau de la guerre. Tu ne nous laisseras pas y entrer. Et si nous te critiquons parfois, nous ne te sentons pas, ne t'entendons pas, regardons seulement autour de nous pour nous dire, heureusement que nous ne sommes jamais. Nous avons frôlé, mais nous n'avons jamais pris dans cette guerre qui nous guette tant. À toi la victoire, pas à quiconque, à toi la victoire, Seigneur. Remets-nous de nous. Et que la gloire te revienne. Amen. Nous chantons.
sont de ce champ et ce fruit.